Donc, on va se retrouver avec les tiges. Donc là, il y en a deux différentes. Donc ça, ce sont les miennes. Ce sont les Winmo Prism Force. Elles sont en nylon. Moi, maintenant, je joue quasiment qu'avec celle-là. Ça coûte pas grand-chose. Ça doit être 1,50€ le set, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les liens dans la description, de toute façon. Et là, nous avons donc une short. Déjà, vous pouvez voir la différence de taille. Donc, moi, c'est des médiums. Et là, on a des shorts et celles-ci sont en carbone. Alors, bon, c'est des Winmo aussi, hein, donc elles sont totalement compatibles avec les miennes. Et franchement, le carbone peut avoir ses avantages au niveau légèreté, mais par contre, il faut beaucoup jouer sur l'équilibre de la fléchette pour obtenir en utilisant peut-être des petits contrepoids en bout d'ailette, mais. Moi, celle en carbone, voilà, je passe mon tour. Donc, sur les tiges, on a, quand vous achetez de la marque, le petit anneau de serrage pour les ailettes. Et ça, je vous ferai une autre vidéo plus tard pour vous montrer la perforation des ailettes pour rentrer dans le. Pour qu'elles se sauvent moins de la tige. En revenant sur les tiges, il existe plusieurs matières aussi. Alors, on retrouve essentiellement du nylon. On va retrouver du plastique type ABS. Celle-là, je ne les conseille pas forcément. On va avoir de l'aluminium, alors qui peut amener un contrepoids, donc qui peut, suivant votre jeu, être intéressant. Je n'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas vous guider là-dessus. Moi, j'utilise essentiellement du nylon, tout simplement parce que c'est le moins cher et franchement, ça fait le job et quand on en casse une, ça fait moins mal. Mais donc voilà, après c'est des choix qui existent en 4 tailles. Il doit y avoir extra short, short, medium, long, et il y a peut-être même extra long sur certaines marques. Donc voilà, et on va tout de suite passer aux ailettes. Bon, là ce sera très rapide.